Eh bien, bonsoir. Donc, je vais commencer la première série de réponses pour les différentes questions que vous avez posées. Alors, on va commencer par celle qui a le plus été posée. Donc, pourquoi la page du nain et pourquoi le nain ? Je vais essayer de vous expliquer en pas trop long, que ce soit pas trop long non plus. Donc, je suis pas non plus, au niveau de la taille, je suis pas non plus un nain, hein, enfin, je vous rassure. Je fais juste 1m64, donc bon, pas non plus grand non plus. Et pourquoi le nain? C'est tout con en fait, c'est juste que je suis arrivé à Paris en 2004 et j'ai atterri dans un foyer, foyer d'un travailleur, et on avait des amis, et en fait, on était un groupe de trois, et on avait chacun une chambre. Et au-dessus de la chambre d'un ami, il y avait écrit « le gnome ». Donc on l'a surnommé forcément « le gnome ». Et comme on était trois, on s'est appelé chacun en référence à ça. Donc il y avait « le gnome » pour Manu. Pour moi, bah, c'est devenu « le nain » parce que j'étais petit. Donc par rapport aux deux autres, j'étais petit, donc « le nain ». Et le troisième, comme il était un peu plus baraque et un peu plus costaud et tout, on l'a appelé « le troll ». Donc voilà, et ce sont les surnoms qui sont restés, et ça me convient, c'est pas péjoratif, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est juste que voilà, c'est resté, et puis j'aimais bien. Puis après, quand j'ai créé mon site, parce qu'en fait il y a eu mon site avant la page, quand j'ai créé mon site, et ben, je l'ai appelé le site du nain, tout simplement, et donc forcément, ben, de fil en aiguille, comme je suis arrivé aussi au niveau de la page, sur Facebook, bah, j'ai appelé ça la page du nain. C'est vrai qu'au départ, ceux qui m'ont connu au tout départ, la page du nain, ça n'était pas vraiment le. Ça a changé de nom. Au départ, ça s'appelait le site du nain. Mais s'il y avait un peu de confusion entre le site du nain sur Facebook et le site du nain, mon vrai site, donc du coup, j'ai renommé et j'ai décidé de faire une différence entre le site du nain et la page du nain. Voilà. Donc. Pour rebondir sur le site, oui, j'ai un site pour ceux qui sont peut-être pas au courant, qui n'est pas renouvelé, enfin, qui existe toujours, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas renouvelé, qu'il va falloir que je fasse. J'aimerais bien le faire évoluer, donc si vous avez peut-être dans vos contacts, vous en avez qui travaillent le HTML ou le CSS et tout, ça m'intéresse. Donc voilà, voilà la première série de questions. Je relis un peu les questions, hein, parce que hein, je ne sais pas si vous voyez. Là, tout ça, ce sont des questions. J'ai trois feuilles. Hein. Trois feuilles de questions. Donc j'ai décidé de faire celle qui ressort le plus. Donc pourquoi le nain Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, ce sera la moderne introduction. J'en referai une sûrement demain. Non, peut-être pas demain parce que demain j'ai concert. Donc ben, je vous dirai à mercredi pour une. Pour une prochaine série de réponses. Ça, c'est vrai que ça a été la plus longue, on va dire, pour bien expliquer et tout. Voilà, bah écoutez, ben, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao.